et PA, et rien d'autre. Et c'est parti entre Zoug et Genève pour cet acte 2 des demi-finales. Carrère. Et Genève. O'Neill qui arrive à passer en force. O'Neill dans le slot, le tir au Maier qui s'appelle Klingberg. Klingberg, la reprise de Marcini. Schlumpf, le tir de Schlumpf. Reprise de Klingberg. Et c'est Teller qui n'arrive pas à reprendre. Et il y avait également eu cette chance de Klingberg et Saint-Hélaire qui avait manqué le rebond. Tenernes qui va dégager. Voilà qui est. Lecoultre, le tir de Lecoultre. Ouh, Giannoni. Martini, oh, quel retour de Tenernes. Ouh, attention là, Tenernes et Richard qui se sont rentrés dedans. Ça offre un 2 contre 1. Martini et goal. Et Zoug qui ouvre la marque. 15 minutes 32. Martini qui profite d'un télescopage entre Tenernes et Richard pour s'offrir un 2 contre 1. Il a préféré jouer tout seul, Martini, et il ouvre la marque comme il y a deux jours, son 4e but de ses playoffs. 2 en quart de finale, 2 en demi pour son 22e de la saison. Ouais, Martini, il avait Kovar avec lui, il a pris ses responsabilités. Et on peut pas en vouloir à Carrère, hein, parce qu'on dit toujours dans un 2 contre 1, on l'Hoffmann. Le tir de la bleue, oh, Robert Maier qui peut tendre la jambe là. Gros arrêt sur ce tir. Dégagé, il y arrive avec Joris maintenant. Joris, Omark, Artikainen en bonne position, le tir d'Artikainen qui s'envole. C'était pour Omark, on retrouve Artikainen. Le voici Omark. Puis le Coultre, la déviation, ça passe à côté. Au-dessus de Giannoni, il a dû taper sur la tranche là. Klingberg, le tir de Klingberg, c'est sur le casque. Zone. Hoffmann, Hansson, Kamper. Le tir de Kamper, Robert Maier, oh, qui s'est retrouvé dans son but. Le jeu qui a arrêté, début de bagarre là, avec Kamper. Avec Maurer. Alors, est-ce qu'on peut estimer que c'est Maurer qui pousse O'Neill sur son propre gardien? Ça. Vatanen, le tir sur réception de Phil Poula, la reprise et goal! Le but d'Omark. Geyser. Le but n'est pas déplacé. Oui, oui, le but qui est bien validé. Genève qui égalise. Passe de Phil Poula. Ouais, Omark. Artikainen qui en profite. Artikainen. Omark. Retour à Artikainen. Le tir d'Artikainen. Et Giannoni. Dos. Le tir de Johnson, il y a du monde là devant Robert Maier. Tenernes. Tenernes encore qui va redresser Spock dans le slot. Où est-il? Oh, il passe à côté. Et ensuite Giannoni qui. Vatanen contré. Kamper, le tir de Kamper et goal. Ouais, Vatanen qui perd Spock en camp de défense. 37 minutes 52. Et Zoug qui reprend l'avantage dans cet acte 2 de la demi-finale. Premier but et même premier point de Kamper dans ses playoffs. Son 3e but en 12 matchs. Et ce puck perdu ici par Vatanen. Alors les deux buts de Zoug ce soir, c'est Martini qui. Alors qu'il y a un début de bagarre là. Juste devant la porte de la Rolba. Oula, Tenernes, le changement de jeu pour Vatanen. Omar de l'autre côté, la reprise. Oh, l'arrêt de Giannoni. Et qui vient récupérer le puck là, Kovar. Kovar le tire, Maier.
Encore un peu perdu là par Genève. Oh, ça passe juste à côté. La tentative de Camper. Et c'est encore un 2 contre 1, le tir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'abord ici Martini qui est fauché, puis ensuite Klingberg qui vient entrer en collision avec Robert Maier. Et il y aura 2 minutes contre Klingberg pour obstruction sur le gardien. Oh, il y a eu un coup là sur Praplan au centre de la glace. Et derrière, il y a une grosse action, Westbrook. Hoffman, qui ne peut pas reprendre, Artikainen. Directement pour Gross qui tente sa chance et goal! Le but de Nico Gross dans cet acte 2 de ces demi-finales. Voilà, c'est officiel, la sirène qui retentit. Genève qui a gagné l'acte 1, 3-1. Zouk qui égalise en gagnant également 3-1. On s'attendait à une demi-finale serrée. Eh bien, ça l'est. C'est un partout après 2 matchs entre ces 2 équipes qui nous ont parfois offert ce soir du...